J'aimerais d'abord être optimiste pour les personnes qui comptent sur nous, qui sont aujourd'hui très en difficulté. Je le rappelle, 1 300 000 personnes accueillies par les Restos du Cœur. Je vous assure qu'on va se battre pour continuer à trouver des moyens, trouver des solutions. Alors, les collectes sont très cadrées, ça nécessite beaucoup d'énergie. On organise chaque année la collecte nationale, c'est généralement au mois de mars. La prochaine aura lieu début mars 2024. C'est important. L'an dernier, elle a permis de collecter 8 700 tonnes. Et puis, il y a un certain nombre de départements qui régulièrement dans l'année organisent des petites collectes. Aujourd'hui, être bénévole, c'est 16 ans avec l'accord parental, 18 ans pour les activités de rue qui sont un petit peu plus difficiles. Mais déjà, ne serait-ce que peut-être d'organiser une petite collecte, ça peut être aussi un geste de solidarité. Être partenaire, vous pouvez l'être au niveau local en vous rapprochant de notre association départementale et au niveau national en vous rapprochant du service partenariat par le biais du site internet.